Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à la salle Pierre Perrault de la bibliothèque René Richard. Je salue particulièrement, bien sûr, les gens de la presse, parce que c'est pour eux que nous sommes là cet après-midi, en particulier TVCO. Je salue leur présence, Normand Gauthier en tête, et Jean-Claude Turcotte, le président du Centre d'archives régionales de Charlevoix, Monsieur le maire Jean Fortin, et préfet suppléant de ce temps-ci, soyez salués. Madame Fanny, Fanny Dubot, l'animatrice à la bibliothèque René Richard, ma collègue Lise Otis, du Centre d'archives de Charlevoix. Alors, bienvenue donc, et en mon nom personnel et au nom de tous les membres du Centre d'archives, soyez les bienvenus à cette conférence de presse inaugurant l'exposition Charlevoix en philatélie. Je parle aux gens de la presse en particulier, vous êtes habitués généralement d'être conviés à des événements où tout est grand. Des œuvres d'art de grand format dans les symposiums, des expositions de tableaux dans les musées, des massifs de Charlevoix, tout est gros en règle générale lorsqu'on vous convoque, alors que cet après-midi, on vous convoque pour du petit, du très petit. En effet, on est dans le monde des timbres, et en particulier ceux qui sont directement et indirectement liés à l'histoire de Charlevoix. Donc, on regarde petit cet après-midi dans notre conférence de presse, tout en étant une grande exposition, toutefois, faut se le dire. Alors, l'histoire postale et philatélique du Canada concerne les territoires et provinces qui composent le Canada d'aujourd'hui. À compter du 1er juillet 1867, le Dominion du Canada est créé avec l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Le pays n'est formé alors que de 4 provinces, l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Il s'ensuit une lente évolution qui voit se joindre progressivement d'abord le Manitoba en 1870 jusqu'à la province de Terre-Neuve en 1949. La carte du Canada ne prend sa forme actuelle que le 1er avril 1999, alors qu'un troisième territoire est constitué avec le Nunavut, qui est séparé de l'immense territoire du Nord-Ouest. Cette longue histoire peut être partagée en quatre périodes bien précises. Le régime français de 1604 à 1763, le régime anglais ou britannique de 1763 à 1841, l'acte d'union du Canada de 1841 à 1867 et finalement la Confédération depuis 1867. C'est à compter de 1851 que les provinces émettent leur premier timbre canadien. À travers ces périodes, le service postal évolue très lentement. On considère que c'est vers 1734 qu'une première liaison postale est établie entre Québec et Montréal avec l'achèvement d'une route les reliant. C'est après le traité de Paris de 1763, alors que la France doit céder le Canada à la Grande-Bretagne, qu'un premier maître de poste est nommé à Québec. C'est à cette même date qu'un véritable service postal est établi entre Québec, Trois-Rivières, Montréal et, par extension, vers New York. Successivement, les provinces émettent des timbres à leur propre image et non, jusqu'à ce qu'elles se joignent au Canada. Comme mentionné précédemment, la province actuelle de Terre-Neuve et Labrador se rejoint à la Confédération qu'en 1949, ce qui revient à dire qu'elle a émis ses propres timbres de 1857 jusqu'à 1947, soit pendant près d'un siècle. C'est en 1851 que sont émis les trois premiers timbres poste avec la mention « Canada Postage ». Le premier timbre, conçu par Sir Sandford Fleming, représente un castor, et c'est d'ailleurs le premier timbre au monde à représenter un animal. Il faut dire ici que le Canada se veut plutôt innovateur, puisqu'en effet, à cette époque, la pratique voulait qu'on fasse figurer sur un timbre soit un monarque régnant sur le pays ou les armoiries du pays. Par la suite, on y représente, par exemple, le prince Albert, la reine Victoria, et en 1855, on émet un timbre à l'effigie de Jacques Cartier. Précurseur dans le domaine philatélique, le Canada émet en 1898 le premier timbre poste de Noël, lequel est le premier timbre multicolore du Canada. En 1908, à l'occasion du tricentenaire de la Fondation de Québec, le Canada émet la première émission commémorative en lien avec le Canada comme tel. Quelques années plus tard, malgré la guerre qui sévit,
le Canada émet le 13 juin 1917 un timbre afin de saluer le 50e anniversaire de la Confédération. Entre 1951 et 1961, une série de timbres est émise à l'effigie des premiers ministres canadiens. D'autre part, la première collection thématique est émise en 1967 dans un coffret lors du centenaire du pays. Puis, 12 timbres de Noël sont émis le 7 octobre 1970, lesquels sont faits à partir de dessins exécutés par des écoliers d'autant de provinces canadiennes et territoires. Signalons finalement que l'année 71 est une année marquante dans l'histoire du pays et de la poste canadienne, puisqu'elle marque l'arrivée, vous devinez de quoi? Du code postal, 1971. L'exposition, qui commence aujourd'hui, propose un voyage dans l'histoire de Charlevoix à travers ses timbres. Certains timbres exposés ne sont pas directement liés à la région comme telle, mais ils trouvent leur justification parce qu'ils sont reliés soit à des villégiateurs, des gens qui ont résidé dans Charlevoix, qui ont adopté donc la région, ou encore parce qu'ils ont un lien avec des événements qui se sont passés dans Charlevoix, ou pour d'autres prétextes. Vous pouvez les deviner par vous-même. D'ailleurs, chaque timbre exposé est accompagné d'une notice explicative qui apporte toute la lumière quant à sa pertinence. Je vous laisse le soin de le lire vous-même. Chacun des timbres est décrit avec quatre informations, à savoir le numéro, lequel correspond à l'ordre d'apparition dans la séquence des timbres canadiens, c'est-à-dire que le premier, juste ici, est le 650e timbre émis depuis 1851. Puis, la date de la mise en vente ou le plus premier jour, le thème du timbre ou son titre et finalement sa valeur marchande. Bien que tous ces timbres soient très intéressants, je porte toutefois votre attention sur quelques-uns en particulier. J'en nomme quelques-uns. Le village Laurentien de Clarence Gagnon qui représente Saint-Urbain. Maria Chapdelaine, également une œuvre de Clarence Gagnon où l'on voit la maison de François-Xavier Simon ou maison René-Richard, à côté de laquelle on devine une jeune femme qui est Blanche Simon, l'épouse de René Richard. Le centenaire de l'hymne au Canada, dont Adolphe Basile Routhier a composé les paroles, on présume, dans sa résidence d'été de Saint-Irénée. À l'abbé Saint-Paul, de Marc-Aurel Fortin, l'un des plus grands timbres émis au Canada, sinon le plus grand en termes de superficie. La série « Canada vu par les artistes » où René Richard se voit confier d'illustrer les territoires du Nord-Ouest. Laure Conan, ou Félicité Anger, pour son ouvrage Angéline de Montbrun, primé à l'Académie française. Le timbre de Noël de 1984 avec les trois rois mages de Simone-Mérie Bouchard, la fameuse famille Bouchard de la Goudronnerie. Le village de Sainte-Agnès, tel que vu par Robinson. Une soirée aux éboulements d'E.Y. Jackson. Dans la série Cinéma canadien, le chef-d'œuvre de Pierre Perrault pour la suite du monde. Gabriel Leroy, qui a fait de Charlevoix et de Petite-Rivière-Saint-François son refuge estival pendant 25 ans. Monseigneur Savard et son célèbre Menot, fondateur de la papeterie Saint-Gilles. La série technique et traditionnelle, juste au fond, initiative de Cyril Simard, qui a remporté d'ailleurs un premier prix lors d'un festival international de l'art philatélique. Le Cirque du Soleil, le prolongement de la fête foraine de Baie-Saint-Paul en 84. L'oiseau de paix, souvenir officiel du millénaire, concept proposé par Cyril Simard. Une œuvre de Claude Le Sauteur représentant la Cour suprême du Canada. Et quelques autres que je vous laisse découvrir. Vous remarquerez aussi que presque chaque timbre est accompagné de son pli premier jour d'émission par Poste Canada. À signaler également la sortie en 2010 d'un timbre de collection ayant cours légal, mais tiré à seulement 300 exemplaires, sous le thème « Impression de port au persil » du peintre Yvon Saint-Aubin, mais que je n'ai pas. Seulement 300 exemplaires avaient été émis. Donc, en conclusion, le moins que l'on puisse dire, c'est que Charlevoix a non seulement eu sa juste part dans le timbre canadien, mais je dirais même qu'il a été privilégié. Encore une fois, donc, merci à vous, les médias régionaux, de faire connaître cette exposition. Et je veux, en terminant, adresser des merci à Mesdames Denise Ouellette et Fanny Dubot de la Bibliothèque René Richard, à ma collègue Lise Otis du Centre d'archives régionales de Charlevoix pour son aide au montage, M. Jean-Louis Simon des encadrements du Cap, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour le prêt de quelques éléments qui sont là-bas à l'arrière,
Et aussi, oui, ça provient du fonds de Cyril Simard. Donc, venez voir ou revoir et découvrir Charlevoix à travers ses thèmes, à travers cette exposition. Et je vous remercie. J'invite le président de la Corporation du Centre d'archives, M. Jean-Claude Turcotte, à venir nous dire quelques mots, s'il vous plaît. Donc, est ici, sur lequel on voit la maison René Richard, la maison de François-Xavier Simon, et c'est la sienne. Et sur la galerie, il y a une jeune femme qui est assise. Rosaire, Monsieur le maire, mesdames, messieurs, une exposition de ce genre pour quelqu'un comme moi, à qui on a enlevé un œil, c'est une exposition difficile. Je suis obligé de me baisser la tête puis demander à mon seul viseur de me dire tout ce qu'il y a de beau là-dessus. C'est difficile pour lui. Une chance qu'il a vu les commentaires de Roser. Vous avez vu par là, quand il vous a fait sa présentation, quel genre d'homme ça peut être, Roser Tremblay. C'est un homme méticuleux, courageux, vaillant, qui n'arrête jamais d'entasser les belles choses sur le dos de Charlevoix. Rosaire, permets-moi de te féliciter et de te dire encore une fois bravo pour tout ce que tu auras fait d'exposition dans ta vie et pour celle d'aujourd'hui. Bravo. Merci. Merci, M. Turcotte. Vous savez, la famille Turcotte trouve sa place dans l'exposition. J'ai mis le timbre sur le curé Labelle, le bâtisseur du Nord, le roi du Nord, qui a été baptisé par un prêtre Turcotte natif de la baie Saint-Paul. Eh oui. Et on dit même que la grand-mère maternelle du curé Labelle était native de baie Saint-Paul aussi. Alors, voici un prétexte pourquoi le thème du curé Labelle est là. Il a été baptisé par un Turcotte. Hey, c'est pas mal, ça! Oui? Il y a des propositions qui peuvent venir de milieux ou d'individus ou d'organismes. Je prends par exemple Mgr Savard. La proposition a été faite par la papeterie Saint-Gilles à l'époque d'émettre un timbre à sa mémoire, quelque temps après son décès. Ce peut être aussi parce qu'il y a l'anniversaire de naissance de tel ou tel personnage. L'hymne, par exemple, au Canada, c'est arrivé lors du centenaire de la composition de la musique par Calixa Lavallée. Il y a des anniversaires souvent que l'histoire veut qu'on rappelle, mais souvent les initiatives peuvent venir d'organismes du milieu. Je pense au millénaire, le thème du millénaire avec l'oiseau de la paix.
La proposition est venue carrément de Cyril, qui a fait une proposition à Poste Canada. L'idée a été achetée, puis on est parti avec ça pour faire la série de timbres avec les oiseaux. Il y a même un timbre hologramme là-dedans. Alors, oui, c'est différent de provenance. Ce n'est pas Poste Canada nécessairement qui décide, mais il y a des offres collatérales qui peuvent venir, qui sont suggérées, et un comité de sélection reçoit ou ne reçoit pas les propositions qui sont faites. Alors maintenant, j'invite notre maire de Baie-Saint-Paul, M. Fortin, préfet suppléant, à me dire quelques mots, s'il vous plaît. Bien, merci, Rosaire. Alors, Monsieur le Président du Centre d'archives, mesdames, messieurs, Rosaire. Donc, écoutez, là, après tout ce qui a été dit, moi, j'achète tout, j'endosse ce que Jean-Claude a dit, évidemment, par rapport à toi, Rosaire. Au travail que tu fais depuis tellement d'années, un travail très constructif, mettons. Mais je pensais jamais qu'à travers les timbres, on pourrait connaître autant de choses, on pourrait découvrir autant de choses de notre histoire, de l'histoire canadienne, québécoise et charlevoisienne. Et de voir aussi tous les liens qu'on peut trouver avec Charlevoix, avec Baie-Saint-Paul, tu parlais tantôt, tu as nommé tous les villages de la MRC de Charlevoix. Ou presque, il y avait quelque chose... Oui, ou même, mais non, on doit, si on faisait le tour de Charlevoix, probablement. Donc, il y a des liens quelque part à faire, et c'est ce que tu nous fais découvrir encore une fois. Tantôt, tu disais, là, on est dans... pas les grandes choses dans les petites choses, mais incroyable comme on peut découvrir de grandes choses. Voilà ce que tu disais, mais c'est vrai. Donc, moi, je veux simplement dire au nom de la ville, on est ici à la bibliothèque municipale, saluer ton travail, te remercier et pour ce beau cadeau-là que tu nous fais de présenter une exposition comme celle-là. Et oui, mais qui est... et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont venir... admirer ça, puis découvrir plein de choses. Il faudrait quasiment que tu sois là tous les jours pour leur dire, un peu aller plus loin dans tout ce que ça contient, ça, comme histoire. Mais vraiment, il faut le faire. Puis ce qu'il faut admirer aussi, c'est tout le travail avant de ça. C'est bien beau de nous présenter ça, mais il faut quand même les découvrir. Il faut avoir commencé quelque part. Il faut le continuer. Il faut les conserver. Hein? Évidemment, il faut les présenter, mais avant ça, il y a tellement de travail à travers toutes les autres choses, Rosaire, que tu peux faire, mais vraiment, tout ce que je peux faire, moi, c'est au nom de la ville, puis au nom de la MRC aussi, parce que je suis préfet suppléant, c'est vrai, c'est saluer ce travail-là, te remercier pour cette exposition-là et pour l'ensemble du travail que tu fais, puis encore une fois, souhaiter qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent venir découvrir ça, vraiment. Puis bravo aussi à la bibliothèque, au centre d'archives également pour le travail que vous faites. Là, on voit combien ce travail-là, ensemble, les résultats de ça et combien ça peut être important. Là, tu sais, combien tout ce travail-là peut nous faire grandir hein, comme communauté à travers ce que ça fait ressortir. Merci. Bravo. Merci.